Mais qu'est-ce que c'est que ces soldes cette année? Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur ma chaîne Rétro Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu coup de gueule, pour les soldes. C'est parti. Effectivement, j'ai l'habitude de faire les soldes. Vous voyez tous les 6 mois mon compte rendu au niveau des soldes de jeux vidéo. Et cette année, ça a été catastrophique. J'ai commencé par faire Carrefour. Il n'y avait quasiment rien. Il n'y avait que des Astérix, Obélix, XXL, que des jeux vraiment extrêmement pourris et juste soldés à 50%. Alors que d'habitude, on voit des jeux à 5, 3, 6, 8 euros chez Carrefour. Cette année, rien du tout. J'ai juste trouvé 2-3 petits trucs. Je vous les montrerai tout de suite après. De toute façon, ça va aller vite, le compte rendu, c'est plus une vidéo un peu coup de gueule que je vais faire cette année. Le deuxième magasin que j'ai pu faire, c'est Cultura, et là, franchement, ça a été n'importe quoi. Déjà l'année dernière, ça a été compliqué chez Cultura. Les gens, en fait, arrivent, le magasin ouvre les portes, les gens, ils courent. Il y avait une trentaine de personnes. Alors aujourd'hui, il y a une trentaine de personnes donc qui ont couru pour aller dans les bacs des soldes. Ça a été limite une bagarre, j'ai vu vraiment en direct limite une bagarre. Et j'ai été assez étonné parce que ben les gens prennent tout. Ils prennent des piles comme ça de jeux, vraiment des jeux soldés à 50%. Et vraiment, c'est pas des super jeux quoi. Et les gens, ils prennent tout. Je vous promets qu'en 5 minutes, les bacs étaient complètement vides chez Cultura. Je suis allé ensuite chez Auchan, ils faisaient des offres plutôt sympas avec des 100% remboursés, etc. Bref, cette vidéo solde un peu coup de gueule. Je trouve effectivement que c'est de pire en pire les soldes. Et là, je vous le promets, je vous l'avais déjà promis il y a 6 mois, je vous l'avais déjà promis il y a 1 an, les soldes, je vais arrêter. Les vide-greniers aussi, les vide-greniers, ça vous devient aussi n'importe quoi. Les gens se lèvent à 5 heures, ils vont dans les coffres des voitures, ils demandent à tous les exposants s'ils ont des jeux vidéo. Aujourd'hui, faire une collection de jeux vidéo, franchement, il faut s'accrocher. C'est vraiment de plus en plus compliqué. On va maintenant passer donc au compte rendu des choses que j'ai pu trouver. Parce qu'au final, j'ai quand même trouvé 2-3 petits trucs. Même si bon, je pense que dans 6 mois, ce sera pas la même chose. Je vais pas faire les soldes de la même manière. J'ai trouvé 2 jeux, je vous les montrerai en dernier. La première chose que j'ai pu trouver, c'est à Carrefour. C'est un Amiibo. Alors là, je vais pas hésiter. C'était le seul Amiibo qui était dispo. Le seul, hein, vraiment, il n'y en avait pas plusieurs de la même sorte. C'était vraiment la seule boîte de Amiibo qu'il y avait dans les rayons de Carrefour qui était soldée. À 5 euros, je me dis, ça mange pas de pain. Voilà, toujours un Amiibo de plus pour 5 euros au lieu de 14,95 euros celui-ci. Là, ça vaut le coup. Ça, c'est vraiment des soldes. Il y a quelques temps, on trouvait pas mal de Amiibo. Là, maintenant, j'en trouve un seul. La deuxième chose que j'ai pu trouver, ça, j'ai pris pour mon fils, il va bien aimer. C'est un coussin Dragon Ball. Franchement, je le trouve super cool. Il fait environ peut-être 40 cm de diamètre. Celui-ci, je l'ai payé 4 euros. Pareil, vraiment un excellent prix. Donc,
pour un petit coussin, une petite déco Dragon Ball pour mon fils, il va être content. À Carrefour, au niveau des jeux, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Les prix n'étaient pas intéressants du tout. Donc je suis allé ensuite chez Cultura, et là ça a été vraiment le carnage, pour pas vous dire hein, d'autres mots. Ça a été assez compliqué de filmer, j'avais pris une petite caméra, ça n'a pas bien fonctionné. Voilà, vous n'aurez peut-être pas les images en live, mais dans tous les cas, c'était le carnage. J'ai rien trouvé du tout chez Cultura, ça a été la bagarre, les gens poussaient les coudes pour pouvoir choper le plus de jeux possible. Et comme je vous dis, on était une trentaine pour un bac qui faisait un mètre carré. Donc pour voilà, pour imaginer la scène. En partant de chez Cultura, bon, j'étais pas très content. Je suis passé à côté des jeux de société, et là j'ai trouvé un truc plutôt sympa pour jouer avec mes enfants. Minecraft Builder and Biome. C'est un jeu de plateau à l'effigie de Minecraft. Mon fils étant fan de Minecraft, eh bien je pense qu'il va vraiment adorer celui-ci. Je vous mettrai quelques petites photos, ça a l'air plutôt sympa. Entre 10 et 99 ans, de 2 à 4 joueurs, et les parties durent entre 30 et 60 minutes. Lancez-vous dans la toute dernière aventure de Minecraft qui vous attend sur votre table. Récupérez des matériaux rares et bâtissez d'impressionnantes constructions. Mais ne négligez pas les monstres et vos adversaires qui risquent de vous mener la vie dure. Seul celui qui fera preuve de courage et d'ingéniosité l'emportera. Franchement, ça a l'air plutôt cool. Celui-ci à 50%, donc 28,99€, ça fait 29€, moins 50%, 14,50€, très exactement, pour celui-ci. Moi, voilà, rien que pour ça, moi j'étais content. Le reste des soldes, c'était merdique. Ensuite, j'ai pu trouver deux jeux donc chez Auchan. Là, j'ai croisé quelques abonnés. Effectivement, ils étaient aussi étonnés que moi de voir le carnage que ça a été chez Cultura. Franchement, Cultura, hein, si vous voyez cette vidéo, faut arrêter les bacs d'un mètre carré, c'est juste pas possible. Vous en mettez des plus grands, vous les éloignez. C'est juste pas possible de mettre des bacs d'un mètre carré le jour des soldes. Voilà. Ou alors vous faites une file d'attente. Une personne à la fois rentre dans le magasin. Mais c'est plus possible de fonctionner comme ça. Donc les deux jeux que j'ai pu trouver, le premier c'est Metroid Dread. Celui-ci donc à 50%. Donc 49,99€ moins 50%. Donc ça fait 25€ pour celui-ci. Un excellent jeu, bon, j'ai pas besoin de vous parler de celui-ci. Dans la lignée donc des Metroid, celui-ci est de retour en 2D. Et franchement, il est vachement cool sur Switch. Et donc le deuxième jeu que j'ai pu trouver, c'est Live Alive. Ou Live Alive, je sais pas comment ça se prononce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. À 44,99€ moins 50% aussi. Donc pareil à Auchan. À Auchan, c'était plutôt cool les soldes. C'était pas non plus extraordinaire, mais franchement c'était plutôt cool comparé aux autres magasins que j'ai pu faire. Donc moins 50%, ça fait environ 22,50€ le jeu. Donc Live Alive, c'est un jeu de rôle développé par Square Enix en 94 pour la Super Nintendo, ou plutôt pour la Super Famicom parce qu'il n'est pas sorti chez nous. Il a été réédité par Square Enix en 2022 sur la Switch. Suit 7 personnages, chacun vivant à une époque différente. Donc on a par exemple la préhistoire, le Far West, la Chine impériale, la fin du Japon, le présent, le futur proche, futur lointain, etc. Chaque chapitre est indépendant, avec des propres personnages, environnements. L'idée, une fois que vous avez tout terminé, vous déverrouillez deux séquences finales. En fait, le concept, c'est que vous allez faire chaque chapitre différent. Donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'on peut faire le jeu en... Voilà, on peut le faire un peu dans tous les sens. J'ai trouvé le principe plutôt cool, et ça m'a été recommandé par un de mes abonnés qui était sur place. D'ailleurs, je le remercie. Si tu passes dans les commentaires, n'hésite pas à faire un petit coucou. Ça me ferait super plaisir. Donc voilà les deux jeux que, les deux seuls jeux que j'ai pu trouver en solde cette année. C'est vraiment misérable. Je vous le dis franchement, pour moi, les soldes, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Moi, personnellement, voilà, les soldes, les vide-greniers, c'est terminé, on ne trouvera plus rien, ou alors il faut jouer des coudes, il faut se bagarrer. Et moi, j'ai pas envie de ça, j'ai envie que ce soit un plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, bien sûr, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. Et je vous souhaite aussi une bonne et heureuse année, surtout la santé. Je vous souhaite de trouver votre bonheur, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans la vie personnelle. Et j'espère que cette année 2024 sera florissante au niveau des vidéos de YouTube. Moi, je cherche un nouveau concept, des nouveaux concepts qui me permettraient, voilà, de faire un peu différent sur ma chaîne. C'est pareil, si vous avez des idées, n'hésitez pas à en faire part dans l'espace des commentaires. Je reprendrai bien sûr les vidéos réparation puisque c'est le cœur même de ma chaîne. Je reprendrai ça prochainement. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Rétrojeux. Ciao, ciao.
Réparez-moi, réparez-moi, réparez-moi les consoles. Rétro-jeu et là, il sait tout, il est notre idole. Suivez ses conseils, écoutez bien ça.